Ok, c'est Mamé, je vous demande pas comment ça va parce que tout le monde le fait, mais le cœur y est. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale pour ma chaîne puisque c'est la première vidéo sur Pokémon Go. Donc je vais poser la caméra tranquillement, voilà, sur le beau paysage. On va regarder ensemble ma progression. Donc pour l'instant, je suis que niveau 10, ouais seulement. Voilà, niveau 10, je suis parti de l'équipe bleue. Ensuite, on peut voir les Pokémon que j'ai triés par PC. Donc voilà, j'en ai capturé quelques-uns, mais que des Scarabrutes, des Nosferapti. Je capture que des Nosferapti, c'est un truc de fou. Je les ai tous tués, entre guillemets. Enfin, je les ai transférés en bonbons. Et voilà, j'ai que des Nosferapti partout. C'est vraiment un truc de fou. On va trier par numéro de Pokédex pour voir ça. Mais ouais, j'en ai. Voilà, et encore, j'en ai tué, j'en ai enlevé plein. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas trop compris. Vraiment toutes les subtilités du jeu, mais bon, c'est le début. De toute façon, on débute. Et aujourd'hui, je vais profiter de l'occasion en fait pour vous montrer un peu le paysage autour de chez moi. Donc, c'est parti, on va y aller. Je vous montre vite fait le paysage et après, on va chasser sur la plage. A few moments later. Ok, donc on se retrouve à la plage. Donc ici c'est la folie en fait. Le parking, il y a des Pokémon partout. Donc je vais commencer par choper le Krabby. Ensuite on chopera le Dodio s'il est encore là. On va rester un peu là, puis après le but quand même c'est d'aller se promener sur la plage, que vous voyez un peu comment elle est jolie, etc. etc. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Pour moi, en fait, ce genre de vidéo, c'est pas du gameplay hardeur de ouf où vous allez voir des niveaux de fou, des captures de dingue et tout. C'est plus, voilà, histoire de partager un peu en fait la vie de tous les jours. Parce que le Pokémon Go, en fait, il y a vraiment énormément de. Putain, il m'a mis un coup de boule sur la, sur la Pokéball. C'est vraiment. Tout le monde y joue en ce moment, je deviens dingue. Même là, devant, regardez, il y a deux mecs qui passent derrière la voiture. Là, je vais un peu déplacer, hop. Les deux, ils jouent à Pokémon Go. C'est obligé. Même les quatre. Il y a quatre personnes, ils jouent tous à Pokémon Go. C'est vraiment un truc de dingue ce jeu. Donc voilà aussi, c'est ça le but. C'est vraiment de partager un peu la vie de tous les jours parce que on joue à Pokémon Go en fait en sortant, en bougeant avec les gens. Et c'est vraiment ça qui était intéressant dans le jeu. Donc là, je pense que c'est un bon spot. Même s'il n'y a pas de Pokéstop ou d'arène ou quoi, c'est parce qu'on est encerclé par de l'eau en fait. On a de l'eau un peu derrière. Voilà, on a de l'eau ici. Donc ça c'est vraiment cool. Je pense que si on reste un peu là, on va voir d'autres Pokémon. Mais bon, c'est pas le but. Moi je vais rester là 5 minutes. Si j'ai des captures intéressantes, je vous les montre. Sinon, on se retrouve de suite après à la plage. Ok, donc les gens, je me suis arrêté ici un peu. Vous voyez la plage. Voilà. Bon après, je sais pas si ça va trembler un peu ou quoi parce que je suis pas un pro des vidéos. C'est cool parce qu'on voit la mer des deux côtés. Enfin, l'autre côté c'est pas la mer en fait. C'est un genre de marée, mais où il y a des flamants roses d'habitude. Bon là il n'y en a pas. Bon, on va regarder la mer. Je vais poser, non je vais pas poser parce qu'en fait je me suis arrêté là, il y a un aquacoque qui est apparu, donc ça c'est super cool. On va essayer de le capturer, mais avec une seule main, je dois filmer en même temps, c'est pas super facile. Bon là j'ai réussi, espérons qu'on le capture parce que aïe aïe aïe, j'espère qu'il va pas s'enfuir. Il a fait son attaque, allez. Oh merde, ce lancer pourri, je vais changer de main. Boum, espérons qu'on le chope, ce serait super cool. Ah le bâtard! Allez! Oh l'enculé, l'esquive! Il a mis une Messi à Boateng là. Allez, faut le choper, faut pas qu'il s'enfuit. Tout à l'heure j'ai chopé Ramolos et Abo, mais c'était pas super ouf, donc je n'avais pas filmé ça. Allez, allez, aïe aïe aïe! Je peux pas utiliser des objets, des trucs là. Ok, non, ça c'est la prochaine fois. Bon, non, il n'y a pas. J'ai pas trop encore rodé le jeu de ouf. Ouais, même mes lancers ils sont tout pourris quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et merde! Et putain! Allez, on va se concentrer. Voilà, dans la tronche. Je vais vous montrer un peu aussi comment c'est ici. Ah, mais il va rentrer ou quoi? Allez. Oh, l'esquive! Le bâtard! Allez, je te veux!
Oh. Allez. C'est bon, cette fois-ci, je le sens bien. Je le sens bien, on va voir si le mec a du flair ou pas, quoi. Mais non. Allez. Il fait son attaque, j'espère qu'il va pas fuir. Chenapan. Allez. Chenapan, insulte plus utilisée depuis les années 90. Ah. Allez. C'est loupé. Heureusement que j'ai fait des chasses au Pokéstop précédemment. Bon, je vous ai pas filmé ça parce que c'était pas intéressant. J'ai pris mon vélo, j'ai fait un tour. Je pourrais le faire la prochaine fois. Ou peut-être un tour en vélo, ouais, ce serait cool. Mais déjà, on va essayer d'attraper le Aquacouac. Là, en passant, j'ai vu plein de gens jouer. Je me suis fait même pote avec des Hollandais, mais bon, j'allais pas les filmer quand même. C'est la moindre des politesses. Puis, on parlait anglais. Et mon anglais est pas mal, mais voilà, il faut que je me concentre. Donc voilà, je préférais bien leur parler, m'appliquer et choisir mes mots parce que c'est pas facile. Non, il s'enfuit. Oh le bâtard, enculé. Bon, après avoir lamentablement raté mon Anacouacouac, on va se quitter sur une petite capture du Starry là qui apparaît. Par contre, j'ai pas compris, quand je mets la RA comme ça, ben, je vois pas le truc, donc ça, je dois pas avoir le gyroscope, je pense. Mais bon, c'est dommage, c'est bien dommage. Donc, on va le capturer comme ça. Avant de vous quitter, chaque dresseur Pokémon a une casquette. Donc, aujourd'hui, ma casquette, c'est celle-là. Voilà, ici. Donc, on va capturer le Starry. Et puis, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais me charger de vous dire au revoir, mais c'est Michael Kyle. Donc, oh, je pense que vous connaissez pour la plupart. Une fois qu'on aura capturé le Starry, il se lancera, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas vu, on l'a capturé ou pas? Bon, il y a un Aspico. On va choper l'Aspico, les gars. Ouais, je vous ai dit, c'est plein ici, hein, c'est abusé. Donc, il n'y a pas de Pokéstop, mais il y a des Pokémon. On l'a ou pas? Non, même pas Aspico, putain, mais c'est quoi ce bordel là? Oh là là, allez, voilà. Là on l'a eu sur la tête, sur le pic. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est abusé, j'ai pas de chance là-haut. Après c'est peut-être que juste que je suis nul, hein, je sais pas. Après ouais, il doit y avoir plein de trucs qu'on sait pas encore sur ça. Sur les captures, sur les combats aussi. Les combats, je suis pas fan pour l'instant, le truc d'arène et tout, je suis pas super fan, c'est peut-être parce que je sais pas comment on fait encore, donc je sais pas. Bon, il n'y a pas d'autres Pokémon les gars, donc ben, on se laisse là, et Michael Kyle se charge de vous dire au revoir. Allez, Booyashaka. Et au revoir à la revoyure, bon voyage, arrivé d'Archi, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km, ne reviens pas, que je ne te revois plus, hasta la vista baby, tire-toi et taille la route.